1m75 qui s'élève dans les airs. C'est Marcus Kinn qui trouve ce shoot à mi-distance pour la SIG. Et Marcus Kinn qui monte en température avec ce nouveau tir. Marcus Kinn, bien joué cette remise pour Massa qui se retrouve face à Carlton. Le duel des pivots, il est gagné par le Français. Ils font tourner là. Eux aussi, on arrive en fin de possession. Il va falloir prendre ce tir, voilà qui est fait. Oh, ça rentre, c'est magnifique de Matt Mitchell. Paul Lacombe, le voici. En solitaire jusqu'au cercle, c'est bien fait de la part de Paul Lacombe. Bien joué, cette fois-ci ça rentre pour DeAndre Lansdowne. Ah, Mitchell là qui s'est décalé. Maé sous le cercle pour Paul Lacombe. L'expérience de Paul Lacombe, ça rentre. Ce panier à deux points avec en plus. C'est Trestinkel là qui s'occupe de Paul Lacombe. Jean-Baptiste Maille. Et c'est bien fait. Ça, c'est collectivement parfaitement réalisé pour retrouver sous le cercle Bodian Massa. Ses coéquipiers n'ont pas suivi. Et le bon contre de William Snaras qui, en plus, prend le rebond pour le moment. La balle perdue. Oh, dommage. Dans les airs, le alley-oop conclu par Bodian Massa sur la passe de Paul Lacombe. Voilà une sortie de temps mort réussie pour Le Mans. Paul Lacombe derrière qui redécale. Massa qui met dedans aussi. À l'image de cette mauvaise passe Mancel. Et derrière ça rentre en reculant de Lansdowne. Et Kinn qui va avoir tout son temps pour mettre dedans à 3 points. Et qui punit Le Mans. Et les Strasbourgeois qui finissent fort ce deuxième carton. Et qui mène 42 à 36. Matt Mitchell. Et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça calme tout le monde. En sortie de temps mort, c'était Marcus Kinn. Obligé de ressortir les Strasbourgeois avec Paul Lacombe. Jean-Baptiste Maille. Pour retrouver Paul Lacombe qui s'est mis en position de shoot et qui score à 3 points. L'ancien Nancéen, notamment. Avec la planche, le tir de Marcus Kinn qui rentre. Ballon perdu par les Manceaux. Et Marcus Kinn derrière qui profite de l'offrande à 3 points. Et Strasbourg en 2 tirs a refait son retard et même mieux est repassé devant. La lutte sera âpre jusqu'au bout. À chaque tentative va compter. Voici celle à 3 points de Paul Lacombe. En réussite dans ce match depuis le début de la partie. Parce que derrière, côté strasbourgeois, c'est Marcus Kinn qui fait mal au MSB. À Jean-Baptiste Maille qui réussit son drive sous le cercle. Le Mans n'a que 2 fautes, encore des fautes à donner. Oh, le très gros tir de Marcus Kinn!